Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Newsday. AT Communication vous propose la 49e édition du Grand Ménage. Vous suivez Newsday. Côte d'Ivoire, cérémonie officielle de la 49e édition du Grand Ménage à Aniamon ce samedi 5 février 2022. La remise des matériels constitués de poubelles, pioches, de brouettes, des balais, des gants s'est inscrite dans le cadre de la cérémonie officielle de la 49e édition de l'opération Grand Ménage, présidée par le ministre Boakye Fofana à Aniamon et en présence du sous-préfet et du maire Amidou Sylla. Son allocution, le ministre a expliqué à l'assistance l'importance et l'enjeu de la salubrité et notamment de l'opération Grand Ménage qui vient renforcer les actions des collectivités en matière d'assainissement du cadre de vie. Les différentes couches sociales et socio-professionnelles, femmes, commerçants, artisans, opérateurs économiques, chefs traditionnels et guides religieux, à travers leurs différents porte-paroles, ont donné l'assurance par des messages d'engagement en promettant de s'approprier l'esprit de la lettre du Grand Ménage et de poursuivre cette lutte contre l'insalubrité dans leur cadre de vie. À Aniamon, plusieurs personnes ont été élevées au rang d'ambassadeurs de la salubrité par le ministre Boakye Fofana en raison de leurs actions citoyennes de propreté. Vous suivez Newsday.